Bon, Florian, quel bilan tu tires de ton début de saison avec un but en Coupe de la Ligue, une passe décisive le week-end dernier? Statistiquement, c'est vrai que c'est un bilan plutôt positif. Après, au niveau du temps de jeu, ben, j'ai fait mes 90 minutes en Coupe de la Ligue. Ben, c'est mon premier match à René Gaillard. Donc, ouais, où j'ai passé 45 minutes plutôt difficiles en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, c'était mieux. Et j'ai marqué à la fin. Donc, c'était une satisfaction aussi de voir le compteur but à domicile. Ensuite, à Tours, je suis rentré 20 minutes où ouais, j'ai pas calculé, j'étais là. Et le coach m'a dit, ben, tu te mets en mouvement, tu joues comme tu sais faire. Ben, c'est ce que j'ai fait, je désorganisais l'équipe adverse. Et après, on a égalisé ouais, à 5 minutes de la fin, donc bien, on ramène un point de là-bas, c'était bien. Et troisième match, ma rentrée contre le Havre, c'est une bonne petite rentrée, j'étais content de moi à la fin du match. Et voilà, je vais essayer de continuer à travailler comme ça. Maintenant, un déplacement à Metz vendredi, où tu es allé l'année dernière avec Carquefou. Qu'est-ce que ça t'inspire? Si je peux faire le même résultat que l'année dernière, je ne le ferai pas. Parce qu'on avait perdu 2-0 ou 2-1 là-bas. Mais ouais, ça va être bien dans un bon petit stade de Saint-Symphorien. Je pense qu'il sera bien garni. Contre une équipe qui va être très solide avec de bons joueurs devant et de l'expérience derrière. Donc ça va être un bon match à jouer. On va essayer de ramener un ou trois points, mais pas perdre comme l'année dernière, pas perdre.